David. Donc régulièrement, il commence au graphite. Il place son dessin en graphite et après, il utilise plusieurs pastels assez secs, donc des unissons, c'est ça? Tu as des unissons là? Oui. Et il revient donner les détails avec des crayons pastels. Donc voilà, en fait, il monte son sujet vraiment progressivement, toujours sur l'ensemble du tableau. Il visualise vraiment la globalité de la finition pour amener des touches de couleur, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'attarder à un seul endroit, il fait en sorte que tout sorte en même temps. Voilà, et il revient avec des crayons pour donner les détails. Et ensuite, pour placer les couleurs les plus justes, uniquement sur le sujet principal. En fait, il va s'attarder plus spécifiquement sur le sujet principal, sur la dernière période. Alors que dans mon cas, moi, je préfère commencer par l'extérieur. Je place effectivement toutes les couleurs avec des pastels très secs. Ensuite, je place le fond autour de mon sujet principal. Et le sujet principal, généralement, je travaille avec des pastels Schmink, Telebubbing, des très tendres. Et je vais rentrer dans le détail, mais à fond, quitte à passer 4, 5, 6 heures sur une porte. Alors que la compétence de David fait qu'il travaille très très vite. Il arrive à finir un tableau assez facilement, entre guillemets, par rapport à moi qui vais mettre 14 ou 15 fois plus de temps. Jamais de crayon, jamais de gomme, je n'estompe jamais. Alors que David va estomper certaines parties, il va jouer entre l'estompe et la pose de la couleur. Alors moi je superpose les couches, en fait je joue beaucoup sur la transparence, donc je monte des gammes de couleurs, voire contradictoires les unes par rapport aux autres, et je m'imprègne beaucoup de la pierre, en fait je regarde beaucoup le modèle que je travaille avant de le travailler. J'essaie de rentrer dans la matière pour comprendre comment elle fonctionne. Voilà.